plus suffisamment. Mais après, le gouvernement a pris des dispositions pour faire des centres de réserve alimentaire de plus de 130 000 tonnes pour que, dans un cas de cas, qu'on puisse apporter l'assistance à ces gens-là. Mais au niveau du ministère de l'Agriculture, on a négocié avec les propriétaires terrains qui ont mis à la disposition de se déplacer des terrains que nous avons aidés à la couleur pour s'aider le haricot. Le haricot, parce que comme c'est un cycle court, pour les permettre de pouvoir produire, avoir les comptes, pouvoir consommer, mais également pouvoir vendre pour avoir la nourriture. Et je voulais dire que, afin de booster la nourriture, le gouvernement, ou du moins le ministère de la nourriture, avec la Chambre nationale de la nourriture, et avec l'autorisation des plus hautes autorités, nous avons doté chaque région de deux tracteurs. Et ça, afin de pouvoir lancer, permettre que les gens puissent avoir accès au service de l'amour le plus facilement possible. Et c'est une population qu'on est en train de voir. Si cette population marche très bien, l'idée est qu'on puisse faire en sorte que chaque commune puisse avoir un tracteur et que ça puisse faciliter les producteurs d'avoir accès à ces services de l'amour. Je voulais voir également dire que le président de Faso a pris la décision que nous puissions mettre en place l'initiative 1 million de lits par an d'ici les 2 ans à venir. Ça veut dire quoi? Il faut que nous arrivions à produire suffisamment pour ne plus importer. Parce que aujourd'hui, la consommation de lits au niveau du président Faso est de 650 000 tonnes de riz grain. Aujourd'hui, nous produisons 190 000 tonnes de riz grain. Donc, nous importons 460 000 tonnes de riz qui viennent de l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, nous avons près de 500 000 bafons. Nous avons également 250 000 hectares de terre irrigables qu'on peut aménager en périmètre irrigué. Donc, il faut qu'on mette l'accent là-dessus et que c'est pourquoi nous voulons que tous les producteurs puissent s'engager, qu'on puisse voir dans toutes les régions, là où il y a un bafond, qu'à partir de l'année prochaine, nous puissions l'aménager, que ce soit en ligne pluviale, mais également nous voulons appeler la solution pour qu'on puisse faire des aménagements par maîtrise de l'eau totale sur un certain nombre de barrages comme celui de Samandiné, Chaussure et le pied de Paris. Donc c'est pour faire en sorte que nous puissions produire les 500 000 tonnes rapidement, afin de permettre à ce qu'on n'importe plus du lit. Et pour ce faire, il y a des campagnes de sensibilisation qui pourraient être faites pour que les gens puissent consommer localement, que nous puissions mettre en place ce que nous appelons la caillement, la centrale, la centrale, les 5 ans, et de matériel agricole qui va permettre de faciliter l'accès aux centres. Donc, et ensuite, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions acquérir 400 tracteurs supplémentaires afin que tout ça puisse contribuer à cela. Il y a un autre modèle que nous avons mis en place, le modèle d'exploitation agricole moderne. Parce que vous savez que l'agriculture dépend de la saison de pluie. Si la pluie est bien, on produit bien. Si la pluie n'est pas bien, c'est mal réparti. Nous avons des difficultés de production. Donc, on ne veut plus que notre agriculture soit liée à la saison de pluie et que les gens puissent exploiter de façon continuelle tout le temps. C'est-à-dire, c'est ramener le cycle de production au niveau des producteurs. Pour cela, il y a un modèle. L'exploitation a été conçue avec un certain nombre de ministères, le ministère de l'eau, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'énergie, le ministère des ressources animales, pour que nous puissions avoir un modèle qui se base sur un forage hydraulique avec une pompe solaire, avec un système solaire pour pouvoir ramener un chapeau d'eau afin de mettre à disposition de l'eau de façon continue. Et cette exploitation qui va aller de 3 à 4 hectares, doit permettre que même à certains des plus chers des difficultés d'eau, qu'on puisse utiliser cette eau pour pouvoir faire une irrigation de la. Et au-delà de ça,
que on puisse encore produire au moins deux cycles de production dans la vie. Ça veut dire qu'avec ce modèle, on va produire continuellement. Et ça va permettre par an de trouver 50 tonnes de maïs, 60 tonnes de légumes. Et ça va également vous permettre de produire du poisson. Parce que vous pouvez arrêter un bassin où on va ensemencer des alevins pour la production du poisson. Mais on s'est dit que comme c'est des forages à grand débit, ça va permettre de mettre à l'extérieur une bonne fontaine pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, mais également un abreuvoir pour permettre aux animaux aussi de pouvoir bénéficier de l'eau. Donc vraiment, c'est un modèle avec lequel on a fait travailler avec la Chambre nationale de l'agriculture pour finaliser. Rien que la dernière fois, on a déjà identifié 8 producteurs modèles pour qu'ils puissent ça déjà. Et nous voulons que tous les projets au niveau du ministère puissent aller vers ce modèle pour aider les producteurs en ration. C'est un modèle que le coût est énorme, ça fait 23 millions, mais c'est un modèle au bout de 2 ans qu'on peut amortir. Donc, ça veut dire que s'il y a des financements, les jeunes peuvent aller dans ce domaine-là, utiliser ces modèles-là et produire tout ce qu'ils veulent produire. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vraiment échanger avec vous pour voir quels sont les problèmes au niveau des cascades. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se faire ici? Parce qu'aujourd'hui, après la saison des pluies, les gens n'ont rien à faire. Ils sont à la maison. Donc, il faut que là où il y a des parfums, là où on peut exploiter les périmètres, qu'on puisse exploiter, qu'on puisse voir comment on peut aider les gens à mobiliser l'eau, à pouvoir produire, que ce soit des légumes, des céréales, continuellement. Mais quand c'est dans ce que les gens vraiment ne laissent pas la vie sans l'eau. Donc c'est cette vraiment que je vais produire en magie. Mais ce soir, on veut vraiment pour les gens, que chacun puisse dire. Comment on peut améliorer, quels sont les problèmes? Ensuite, nous allons prendre tous ces intérêts-là pour ajouter aux autres régions afin de voir les campagnes et comment on peut diminuer tout ça. Donc, voilà ce que j'avais ajouté par rapport à ce que Mme Pernel a dit. Et ensuite, on pourra vraiment faire la présentation de la situation de la campagne et maintenant, on pourra lever les questions pour que nous puissions échanger. Je vous remercie. Merci à monsieur.